Comme j'espère vendre sans courtier, j'ai décidé du prix de ma maison, puis j'ai attendu des visites. Qui venaient pas. Là, j'avoue que j'ai un peu angoissé. Je me suis tanné d'attendre que ça bouge, ça fait que j'ai baissé le prix de ma propriété. Quand j'ai finalement reçu une offre, j'ai rempli les documents en espérant pas faire d'erreur légale. C'est là que je me suis mis à souhaiter une protection en cas de litige. Parce que moi, j'ai accepté l'offre, mais l'acheteur, lui, il a changé d'idée. Pensez à un professionnel pour vous aider. Pensez à un courtier immobilier.